Ah voilà. Putain, j'avais oublié que c'était si long, hein. 2 heures pour faire la mission, 20 guettes. Enfin, quoique non, peut-être pas 2 heures parce qu'on a passé une bonne. Déjà plus d'une demi-heure sur la. Ouh là, ça là. En étant de chargement, ça frise un peu quand même. Hein. Mon OBS n'aime guère. Pas bien grave. Hein. C'est pas bien grave foncièrement. Et long? Pourquoi c'est si long? Ah voilà. Nous dérivons, les nacelles sont HS, je dois redémarrer tout le système. D'accord, et voyez où nous sommes. Bah redémarre. C'était un peu brusque, désolé. Est-ce que tout va bien? Bien sûr. Oh putain, quel kikous. Major? Pas de problème. Il se fume son cig là. On a repéré quelque chose, regardez. Cortana, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est un autre halo. Terrible. De quoi? C'est donc ça que mon père avait trouvé? Je croyais que Halo était une arme gigantesque. C'est le cas. S'il est activé, il peut rayer des galaxies entières de la carte. Tout à fait. Je veux toutes les informations que vous avez sur le premier Halo. Plan, installation, tout. Et je me fiche de savoir si j'ai les autorisations ou pas. Pas vraiment des galaxies entières puisqu'il fallait 7 anneaux pour couvrir toute la Voie lactée, donc... Nous allons passer juste au-dessus. Parfait. Étant donné ce qu'on sait sur cet anneau, nous devons absolument capturer le prophète du regret pour apprendre pourquoi il est venu sur Terre, puis ici. Major, après la première section, on vous lâche. Sécurisez la zone. Sergent, préparez 2 pélicans et suivez-les de près. À vos ordres. En attendant de pouvoir me battre, je reste en retrait. Hors du vaisseau, vous devrez vous débrouiller seul. Entendu. Contact, cible... Entendu. Accrochez-vous bien. Et paf! C'est beau, hein. Ça va secouer. C'est une peluche Master Chief, c'est trop con. C'est quand même des bâtards, hein. Pauvre grognard. Bon là, normalement, les mecs sont un peu vaporisés, mais... Pas quand c'est le Master Chef. Je crois que plus de bruit n'est pas possible. Quoique... Quel kékos, putain. Hein? Tourelle. Oh putain, le retour à la réalité était difficile, hein. Je peux pas avoir un fusil normal, genre ça. Ah non, parce qu'il est en combat. Ouais, c'est bien, casse-toi. Pas très fair play, ça, dis donc. Mais ils sont ouf. Mais ils oui, d'accord. C'est pas sympa, ça. Enfin, les polygones qui composent la réalité se comptent sur les doigts. De la main, c'est difficile le retour à la réalité, mais c'est clair. Terrible. Non, mais tu vas te calmer, toi là? It's a prank, bro. Il est où le master pranker? Ah, beaucoup mieux. Ok. Oh là là, c'est compliqué. Il est en train de me défoncer la gueule, hein. C'est ça qu'on peut verrouiller dans celui-là. J'avais oublié qu'on pouvait verrouiller avec le lance-roquette. Le lance-roquette. Oh non. Non mais soyons sérieux les gars.
Connard! Ok. Attendez, il y avait pas un gun là? Je me doutais que t'étais bon. Je me doutais que t'étais bon. Je allez, que tu te planquerais là. Tu es. Oui, d'accord, ok. C'est quoi le numéro de sécu de ma mère? Voilà ta gueule. Major, faites gaffe. Ferme ta gueule alors. Est-ce qu'il a pas trigger leur chargement? Si, c'est bon. Dégagez la zone d'atterrissage. Les pélicans arrivent. Ah, je veux bien, hein, mais vu le monde qu'il y a là. Ah non, mais putain, ils vont me remettre au début à chaque fois ou comment ça se passe? Calme-toi, calme-toi! Trop bien énervé là. Hein. Encore? Mais il a fini lui. Attendez, par contre ça c'était vraiment de la merde. Je sauvegarde. Dans le doute, hein. Pour le lore. Ah merde, ok, non c'est bon, j'ai cru que j'étais mort, mais ça va en fait. J'ai cru que j'avais fait le grand saut, mais he's ok. Ça devrait être un peu plus simple de les shooter d'ici. Ou pas. Oh, le master pranker, vous l'avez vu? Obligé de gueuler, hein. On a compris que t'étais là. Arrête de faire ton intéressant là. Bah 5 balles. Le jeu a freeze? Ok, j'ai cru que le jeu avait crashé, mais c'est bon en fait. Bon, lui il a bouffé lui. Oui. Reviens. Ok, ta gueule. Ta gueule. Il est où? Ça a dû le calmer un peu, je pense. Pas du tout. Ça, par contre, oui. Pas du tout. Moi, je suis pour changer de grenade, oui. Ah si, c'est bon. Lui, ça l'a rôti. Rôti le mec. Merci. Approche en cours, accrochez-vous. Facile à dire. Fantôme en approche, chef. Ah merde. Et merde. Par contre, c'est bien, c'est bien la caméra là, j'adore. C'est vraiment. C'est très bien pensé. Hein. Je sens que ça a du grand travail de remastering ça. Lui péter la tourelle un peu plus que ça là. Oh là là, putain, la hitbox est infâme. Hein. Il a déjà droppé les... du monde là? Ah non, pas encore, il faisait bien. Et évidemment, il me balance derrière là-bas, super. Oh, putain, ce qu'il me jette, ce qu'il me met dans le fion, c'est terrible. Hein.
terrible. Tu sors là ou... Non. Oh putain, vous avez vu le prankeur? Il est facétieux. T'as vu, hein? Bon, on va aller chercher. Autre continuation de pétage de cul. Tipis Wesley, merci beaucoup d'être venu. Et passionné dans la prime sur ça. Mais il y en avait deux. Ah, mais les prankers. Soyez sages, les sbires. Ne t'en fais pas, je veille au grain. Ta gueule. Je veillerai au grain. Des bisous à Slev. Un autre fantôme en approche. Encore un, mais ça s'arrête jamais en fait. Jusqu'à quand vous allez me faire chier avec des fantômes? J'y peps. Oh là là, au secours, au secours, au secours, ce que je vais prendre dans le fion. C'est bien que j'arrive à les viser en fait, mais visiblement, pas au programme. Ta gueule. C'est pour raconter des âneries pareilles, t'es pas obligé. Hein. Personne t'a demandé d'intervenir. Toi, ta gueule, toi. Oh non, au secours. Non, redescends pas, hein, c'est une connerie. Tu es toléré ici, exactement. Hein? Mais il est où? Hein? Je d'accord, moi je suis obligé de m'en prendre cette arme de merde, super. Tenez jusqu'à l'arrivée du pélican, chef. Moi j'attends que ça, hein. Ça fait 10 minutes que je fais que ça. J'ai 4 balles, c'est super. Ah ouais, super. Moi je prenne ça. Ah, y a pas beaucoup de mun. Hein. Pas dingue le nombre de munitions quand même. Hein. Ah, tu veux pas me filer ton arme, toi? Voilà, c'est bien. Je t'ai pas tuto arnaqué, hein, ça va. Où ça? Ah oui, oula. Oula. Fais attention à la navigation, GG, là. J'ai pu observer la zone. Il y a un gros bâtiment sur l'île, au beau milieu du lac. Je l'ai vu aussi. On dirait un temple. Si j'étais mégalo, et je ne le suis pas, je serais là-dedans. Ok. Ah! Ça j'aime. Ça j'aime bien. Allez mon pote. Montez. Putain, les jerrycans à l'arrière quoi. Le truc pas du tout dangereux quoi. Monte là ou? Allez, prends-moi cette tourelle mon pote. Voilà. Mais on les a pas du tout excités, c'est parfait. Aide-moi. Oh, quel effet ça fait d'être à plat. Très bien. Wow. Une vraie carte postale. Putain, tu peux pas la fermer. Sergent, on botte tes culs dans l'espace. Vous manquez. On botte tes culs dans l'espace. Entendu, crétin. Oh non, il y a un ghost. Ah, ça, ça me plaît. Je me désolidarise de cette action. Tu vas te calmer, toi? Putain, le technivalier qui m'accoste comme s'il voulait venir me vendre du tas, quoi. Petit trait de C, frère?
ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin. Quelle raclure, putain. Hey, joli coup, Marines. Mais ouais. Wow. Une vraie carte postale. Cher sergent, votre véhicule dans l'espace pour le manquer. Il relève le pont, très bien. Fais quelque chose de ta vie, Roland, du sens de ta vie en imitant de la poésie, s'il te plaît. Eh bien. Fais gaffe, il y a l'autre con qui va débarquer. Ah non, c'est bon, il s'est fait retirer. Oh merde. Les commandes d'activation du pont sont sûrement dans ce bâtiment. Fais quelque chose, putain! Il shooterait pas les tourelles, ce con, hein. Ah non, c'est surfait. Les commandes d'activation du pont sont sûrement dans ce bâtiment. Je peux pas le terminer, là? Genre maintenant? Ça serait trop chier? Voilà, merci. Y'a le feu. Chérie, y'a le feu. Bah, parce qu'on peut, hein. Rester calme, il est marrant, lui. Oula, oula, oula. C'était pas la meilleure option, ça. Mais putain. Honey, why is it... Why is the baby on fire? Buy me more jewelry! D'accord. Oups. Ça a pas touché. Évidemment. C'est pas passé loin, mais ça l'a pas touché. Why is the baby on fire? Le pont est abaissé. Les apparitions. Ça va. Oh, le char arrive. Ah, bah voilà, enfin, on va pouvoir commencer à discuter là. Ah, j'ai oublié qu'il y a un scorpion dans cette mission. Ah, fais pas nimp, hein, fais pas nimp. Oula. Calme-toi. Oh merde. Oups. Je les ai un peu donnés en pâture. Je les ai un peu jetés en pâture, les pots. Oh, mais c'est qu'un détail. Allez, envoyez-moi le scorpial, là. S'amuser un peu, quoi. Puisse redonner du sens à notre vie en y mettant de la poésie. Faut pas que j'oublie qu'il tire beaucoup plus vite que la version précédente du 1. Oh putain, merde, le Warthog est là. Terrible. Oh là là, mais... C'est qu'ils vont me niquer mon groove, ces sagouins, là. Putain, ils m'ont déjà niqué le temps, quoi. C'est pas une vie, ça. Arrêtez, enfin. Ah, c'est bien, il est phare automatique. Bonne machine, ça. Lève pas, hein. On va entendre qu'une voix. C'est par là? Je sais plus où faut aller, moi. Ah non.
Oh, je sais plus où faut aller. Peut-être que c'était tout droit en fait, hein. Je suis peut-être fait chier pour rien. Bien possible. Enfin. Vous me faites chier, hein. Vous m'emmerdez. Oh, bah ça devait être par là. À moins qu'il faille que je remonte là à droite. Non, j'en sais rien. En vrai, j'en sais rien, hein. Putain, mais ça va, là? Vous allez m'en envoyer à l'infini? Ah, bah non, mais faut que je passe par là. Il est con. Tu vas fermer ta gueule, toi? Ah, ça va nous faire chier, hein. Chez. Master Chez. Turbo Chez. Moi, c'est le Master Punker avec un tank. With a tank. Putain, mais les phares, ils sont pourris, hein. Chez. Oh, c'est jouissif, le tank. Le tank. Ici, on peut y se conquérir. Je peux dire que là, c'est pas moi qui vais payer, là, pour le coup. Ah, merde. C'était peut-être pas un chemin très homologué, ça, mais c'est pas grave. C'est fonctionnel. Oh, j'ai vu un truc là-bas. Ça me plaît pas, il y a du gosse là. Hein. Oh oui, il y a du gosse là. J'ai l'air de mongoliser un peu sur les poteaux, c'est bien. C'est... Ça m'arrange. C'est bien pour mes affaires. Toi, ta gueule. Toi aussi d'ailleurs. Toi là, petit dernier pour la route. Hein. Oui, il est encore vivant lui. D'accord. Ça, c'était avant. Par contre, il est dans un sale état. Hein. Il est vraiment dans un sale état. Hein. Il tient bien, hein. Il tank bien, sans mauvais jeu de mots. Ah, le pire bordel, quoi. Oui, bah, mille malédictions si tu veux, mais ça change pas que... Plus dans la merde que moi, mon pote, hein. Attention, on arrive sur une autre structure. Ok. Quelqu'un d'autre veut négocier? Où est-ce qu'il a appris à négocier? Ah, je t'ai vu, hein. Le facétieux. Oui, facétieux, hein. Le pire bordel. C'est où? Où j'aille où? Non, le salaud! Putain, il va me le péter. Eh non, il est encore en état de rouler, hein. Ça, c'est un miracle, hein. Je vais aller où, là? Même dommage qu'on ait pas de carte, hein. Et si ça se trouve, faut que je m'arrête là. Maintenant, faut que j'y aille à pied. Oh, les prankers. Oh, les master prankers, quoi. Master prankers. Je pense qu'il faut que j'aille à pied. Ah, quoique, peut-être pas. Oh, mais dégagez les pylônes en pierre, à con, là.
Je pense que ça, c'est un signal pour me dire de descendre. Descends, connard, tu feras le reste à patte. Pas sûr de ce que je fais, là. Il faut que j'aille où? Faut que je rentre par là? Oh, rien. Pas très simple de circulation, ici. Hein. Ah, c'est peut-être ça. Je suis pas sûr. Hein. Ah oui, très bien. Il faut dégager une piste. Enfin, je veux bien moi, mais... Pas moi qui fais chier là présentement. Pas moi qui mets de la mauvaise volonté. Hein. Tu l'as bien compris. Sans doute je vais expédier quelques pruneaux histoire de... histoire d'avoir la paix, puis je vais y aller. Il en sort tout un tas du centre. Allons voir là-dedans. Oh shit! Maintenant j'ai plus de. Il s'est shooté! Elle s'était pissée dessus. J'ai plus de munitions, j'ai plus rien. J'ai chié aussi. Hein? T'es où? Ça se passe bien. Ok. C'est des needlers, c'est nul. Je fais double needler, le build de la dégueulasserie. Le build du master prank. Tenez en mon cul, ouais. Voilà, le build du master prank, hein, c'est... C'est dangereux, mais on s'en lasse pas, hein. S'en lassera jamais. Quel plaisir. Quel plaisir immense. Okay, je check juste un truc. Ok. Et merde. Pas mal. J'aime ça. J'ai récupéré des balles de carabine. El carabino. Oh non, pas eux. Ah oui, alors là, c'est toute la séquence au secours. Les coins glauques, c'est toujours pour moi. Et gueule. Okay.
Et il est là-bas aussi. C'est une mitraillette, plutôt crever la gueule ouverte. Les cœurs. Les cœurs s'excitent. C'est surtout Martine là. Ah non, pas eux, putain, pas eux, non, pas eux, au secours. Pas ces putains de mouches de merde. Parce que je les déteste. Je suis mort dans une position particulièrement atypique, hein. Ça, c'était sexy. Hein. Quoi là-bas? Oh, c'est un. Oh oui, c'est bien ce que je vois. C'est bien ce que je crois. T'as vite ta vinaigrette, quoi. Comme ça. Ah, on peut plus en avoir deux d'un coup comme dans le premier. Bon, lui il a volé par contre. Hein. Il était où l'élite? Eh, je t'ai vu hein. Allez, sors de là. Arrête les gamineries quoi. Faire des petits pranks. Et merde. Ok. Chet. Putain non, au secours. Attendez, deux secondes, je vais faire un petit... Là je vois du bot. Je vois du bot, alors je vais faire un petit tri. Je vous cache pas que moi les bots ça m'agace un peu. Lui, ça fait plein de fois qu'il passe. Il dit rien, mais je suis pas sûr. Là, je suis à peu près sûr de ce que c'est, par contre. Ah non, j'ai un doute, du coup. Ah si, créer le 3 juin. Purge. Si, créer le 3 juin, ça dégage, ça. C'est où le ban? Voilà, ça dégage. Putain. J'en ai plein le cul, hein. Ça, c'est quoi, ça? Pas de bio, 8K followers. Ouais. Dégage aussi. Allez. Oui, on avait dit qu'on le dégagerait. Je sais plus. C'est pas grave. Ça, c'est quoi, ça? Non, mais... Quel est le projet de ça? Ça a l'air ok ça. Et encore je suis pas sûr, hein, mais c'est pas grave. Ok. Désolé. Et c'est reparti pour se faire chier, super, j'adore hein. Je le vois. Oh, je lui ai bouffé le mulet là. Miracle ça. Ils sont insupportables. Déjà, ils sont beaucoup trop. C'est insupportable. Qu'est-ce qu'ils sont casse-couilles. Moi j'aime bien les bots qui s'appellent Not a Bot ou Legit People se sentent. Non mais voilà, c'est ça. C'est toujours un peu ça. Hein. Alors, des fois ils sont plus flag, hein. C'est genre Gaming Community, Discord for Small Streamers. Et ça m'agace que ça vienne dans mon chat, parce que du coup ça me fait plein de blazes. J'ai 7 viewers, mais si j'écoutais le chat, vous êtes... ...17. On a 10 en trop, quoi. Évidemment. Oh non, le fun, oui, non, c'est ça. Now! Inespéré, ça. C'est un miracle, ça. Mais je savais pas qu'il y en avait en haut aussi. Oh oui! Mid! Mid toute ma life en fait. Oh ouais, plein de munes, des munes. Pouette.
rien. Toujours rien sur le Innumberclad sur la grille de combat Covenant. Ouais, plein de... Ok, plein de matos. Covenant doit savoir qu'on a atterri, mais ils ne semblent pas nous trouver menaçants. Ils vont avoir une sacrée surprise. Ils en ont rien à branler. Attention, des escortes. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Que le shield est tombé, c'est bon. C'est le début qui est complexe. Ils font mal, c'est con, putain, ils font mal. J'ai été un peu trop forcené là. J'ai été un peu audacieux. Ah, évidemment, ils me remettent là. Pire timing ever. Oh le prankeur! J'ai réussi mon prank, parfait. Ok. Ayez la foi. T'en auras besoin, effectivement. Oh oui, j'ai eu le haut fait. Trop marrant. Pile poil. Ah ça y est, ça relaxe parce que ça charge. Attendez, en arrière. Je me doutais de ce qu'il dirait. Le prophète du regret compte utiliser Halo. Vous êtes sûr? La synchro-labiale est dégueulasse. Le sacré va s'embraser. Sa flamme purificatrice nous indiquera la voie vers l'au-delà. Aucun doute. Commandant, on a un problème. J'ai entendu. De ce que j'ai compris, le prophète a besoin d'un objet, l'index, pour activer l'anneau. J'ai repéré une bibliothèque semblable à celle du premier Halo. Si l'anneau fonctionne de la même manière, l'index devrait s'y trouver. J'imagine que les Covenants ont la même idée que nous. C'est pour ça qu'on doit être plus rapide, sergent. Regroupez vos hommes et retrouvez-moi à la bibliothèque. Bien compris. Je m'occupe de l'index. Tu veux mon doigt? Il nous a déjà dit tout ce qu'il savait. Bah écoute, là, présentement, mes doigts sont très bien pour jouer avec ma moustache. Je ne sentirai guère... Mais c'est mes potes! Ta gueule, oh! Non mais pour l'index. Écoute, si tu le proposes si gentiment, on peut peut-être... Oh là là, c'est micro-freeze de... Ah, calme-toi! Pourquoi ça freeze comme ça? C'est parce qu'il charge les assets, c'est ça? J'ai un PC à 2500€ et ça freeze quand même. Après, j'ai qu'une 1080, ne me jugez pas. Je pense qu'il s'y attendait pas trop. C'est trop con ou quoi il reste là? Oh putain. Mais pourquoi ça freeze comme ça? Au secours. Le niveau qui est pas opti. Hein? Mais il est où? Oh le bâtard! Oh faut que je recommence, chier. Wait, wait. Ça c'était vraiment pas nécessaire. Hein. Le mec se fait déjà des films quoi. T'es pas mort toi? Oh là là, mais j'en ai plein le cul en fait. Bon, ils sont à droite hein. Vu. Lui je l'ai pas vu par contre.
Ouais, j'arrête dans 20 minutes, j'arrête. Oulé. Attention. Où ça? C'est si dur. Oh! Non, je l'ai pas eu. Oh, là, je l'ai eu. Je l'ai pas loupé même. Il est où l'autre con là avec son sniper rifle? Oh non 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 non, le Needler. Le Needler de toutes les angoisses, je veux pas mourir. Pas comme ça. Pas après un si beau voyage. J'ai droit des balles par contre? J'ai le droit des balles? Non. Bon oh, d'accord. Oh putain non, au secours. Tiens, t'as pas un... Ah ouais, c'est bien ça. Non, pas ça. Je l'ai pas lustré. Faut que je te fasse la finition manuelle tant qu'on y est. Oh non! Oh putain! Merde, c'est une plasma, je pensais que j'en avais encore des humaines. Pas grave. Mieux que rien. Ah, j'ai encore 4 balles. Essayez d'en profiter au max. Hein. Ok. Pas mal. On fera des vacances. Ouais, encore eu de la chance. Comment qu'on fait là? Attends, les carabines. J'aime ça moi les carabines. Pas beaucoup de mun hein, par contre. Un peu terrible. Un peu terrible, mais on fera avec un. Hein. Ah si, ah, voilà, très bien. Very well. Non, c'est un fantôme ça. Ah ouais, non, c'est chiant ça. Ah bah super. Attention. Ils font des retournées acrobatiques. Ah, ils tiennent bon, hein. Ça me prie. Cortana, des Covenants traînent dans le coin. Je ne veux pas dévoiler ma position, alors je vous envoie quelques traînards. Quelques traînards. Ces pélicans font toute l'assistance que vous aurez. Ok. Comprime, ça me va, hein. Oh putain. Il est mort comme il a vécu, lui. Terrible. Ah, putain, les nacelles. Bon, je vais essayer de terminer le niveau, puis après j'arrête. C'est bientôt la fin. Ah non, quoi qu'il y a encore... Ouais. Non, mais si, c'est pas trop loin de la fin. Ah, mais alors, à la fin, il va falloir que je termine l'autre con. Ça va être terrible. Depuis les tours. Grosse surprise, elle est pleine de renforts Covenant. Oui, bah ça, je m'en doutais. Ne pas voler celle-là, hein, mon pote. Hein.
Non, non, c'est pas fini, il y en a encore un. Oh putain, mais relou. Relou more. Je les vois pas d'ici, mais je les verrai de plus tard. Très bien. Ok. Putain, la trajectoire est un peu erratique, hein. Oh! Oh! Oh oui, 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 oui! Ça, ça va les exciter un peu, voilà. Oh merde, non, ça c'est gâché, ça. Ça, c'est vraiment du gâchis, ça. Ça, ça va, en revanche. Non, mais sérieusement, il a pris 4 balles, il est pas dead. Ah mais le magne. Oh le mec. Oh par contre le... Il pourrait me faire un timecode un peu plus... Enfin un checkpoint un peu plus avancé quand même. Parce que là, c'est chiant quoi. Ah oui. Trop marrant. C'est bien, tu fais bien de rester là. Oh oui! Une gondole est lancée depuis les tours. Grosse surprise, elle est pleine de renforts Covenant. Ok. Putain, mais il tient bien lui, hein. Ok. Ah non, je voulais le snipe, moi. Ok. Ouais, il n'y a plus personne, là, c'est bon. Ah, si. Encore les deux cons, là. Grosse surprise, je joue mal. Un peu. Ah, ne jugeons pas trop. Bon, vous montez, les cons, là. Eh bien, c'est gentil à eux de nous fournir ça. Allez-y. Là, j'aurais pu faire un prank millénaire, c'est-à-dire de prendre les armes et de les déposer une par une dans le... en échangeant dans le vaisseau. Complètement con, mais... haute valeur stratégique. Ah non, par contre, au secours. J'ai tout sauf les armes contre eux, c'est bien. Là, ce bal trappe, quoi. Oul ! Découpez-moi ça ! Ah, là, les copains, par contre. Ce lac n'a pas pu être formé par l'activité volcanique, ce qui veut dire qu'il a été construit comme ceci, à dessein. Mmh. Un autre type de cataclysme l'a créé. Dites, vous essayez de tuer quelque chose ? Hé, hey, oh, allez, t'as peur d'un humain ? Ah, attention ! It's a prank, bro ! Obligé d'être vulgaire, hein. Toi, ta gueule. Toi-même, tarif, hein. Oh non. C'est honteux, ça. Voilà. Chez. Très bien. Et après, il faut encore leur faire pour aller là-bas. Un peu relou. Et laissez pas s'échapper. Merde. Enfin, j'ai plus que 5 balles, ça va être dur. Hein. Il est sur son pote, hein, tout va bien. Ça ne stresse absolument personne. C'est mal joué, ça. Hein. C'est mauvais, Jack.
Il n'y avait pas un des deux qui avait un sniper? Si, voilà, très bien. Alors regarde, on va faire un petit trick. Merci mon pote. T'es vraiment sympa comme gars. Hein. Petite arnaque de forain, hein. On adore. Par contre, vous pouvez tirer dessus hein, si vous voulez. J'ai peut-être pas donné la meilleure arme, mais c'est pas grave. C'est pour le lolz. On va aller le chercher autrement. Hein. Oh putain, mais je peux tellement les enchaîner quand ils sont dans un coin comme ça. Pauvre gosse, quoi. Découpage en bonne uniforme, on adore. Oh là là, non, au secours. Ok. C'est quoi ton problème? T'as peur, c'est ça? Ok. Ah oui, là il va falloir que je prenne la petite navette qui passe sous l'eau, c'est tout mimi, tout plein. Ta gueule! Ok. Paf! Ah, je vois maintenant. C'est une section immergée qui relie ces tours aux structures périphériques. On dirait qu'il faut descendre. Sauf si vous préférez nager. D'accord, c'était pas là qu'il fallait que j'aille visiblement. Oui non, le truc va arriver là, c'est ok. Ok. Ta gueule. Ah merde, c'était une vitre. Venez les copains. Non mais c'est bon, il est mort. Voilà, montez. C'est bien. C'est moche, hein. Putain, c'était vraiment dégueu. Hein. Ils ont toujours l'air aussi cons, ils sont juste un peu plus détaillés. Et alors, oh là, oh oui, oulala. Ah oui, c'est pas le même genre de glam, hein. On dit chiffré. Crypté, ça veut rien dire. Ça voudrait dire... Il s'agit d'excuses adressées à deux autres prophètes. Rendre illisible un message sans clé de chiffrement. Ça veut rien dire. En besogne en attaquant la terre. Il demande aux autres prophètes d'excuser son retour si soudain, car ils ne s'attendaient pas à la présence d'humains. C'est pour ça que leur flotte était si réduite. C'est étrange qu'un prophète soit aussi mal renseigné sur ses ennemis. Ok. Je sais plus à quel point le niveau est encore long. Et je crois qu'on n'est pas rendu, hein, mine de rien. Je vais faire une petite pause, là. De 2-3 minutes, le temps d'aller au cabinet, parce que je me... très envie, là. Ok. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je fais, mais je le fais. Persuadé que ça tire encore en cloche, mais non, hein, toujours pas. Ok. Ok, bro. Hey, déjà 17h. Terrible. Ah ouais, non, mais alors ce moment, non. Il vient de me traiter d'abruti? Non, mais t'es qui, toi? You fucking white male! Ce passage, putain, au secours, quoi. Au secours. Cette salle est juste infernale. J'ai vraiment réussi à le louper. Je crois qu'il y a des hunters en plus. Beaucoup trop greedy. Hein. J'ai mal tiré le premier coup, n'importe quoi.
Quel bâtard. Il m'a découpé le fion. Vous êtes prêts? Ça va être sportif. Hein. Je vais faire une pause de... Finfinuten avant de continuer parce que là je ne tiens plus en fait, je ne suis plus concentré parce que j'ai trop envie de pisser donc c'est un drame. Je remets de la musique et je reviens dans 5 minutes les jeunes, des bisous, à tout de suite. R.E. Ah bah il avait lancé la musique de Dead Cells. Ok. Bah c'est reparti hein. Ça va être encore un drame. Ah oui c'est vrai que j'étais mort, comme une grosse merde. Jusque là rien d'étonnant hein, en soi. Mais comment je peux louper ça, quoi? Ta gueule. La morale de cette histoire, c'est ta gueule. Ta gueule. Oh là là, oh le drame. Putain, le snipe. Quel con. J'ai encore oublié le snipe refou. Oui. Allez, viens les enfants. Bon. J'ai un peu tué mon pote, mais c'est pas grave. C'était pour la bonne cause. Merde, j'ai plus d'armes du coup. Oh là là, le drame! Un drame en un acte! Putain! J'aurais dû jeter une grenade. Plutôt. Pas mauvais, bah si, canné quoi. Ah, oh, il m'a remis un checkpoint là, très bien. Ça me va, hein. Ah non, mais il est pas mort lui. Ouf. Il l'a bouffé celle-là, hein. Oh là là, oh là là, oh là là, calmez-vous. Putain. J'ai un peu trop forcé. Ils me remettent là, ok. Ok. Putain, le pire bordel. Y'a des hunters, c'est bien ce que je me disais. Alors, il va falloir... Oh putain. Je les déteste. Qu'est-ce que je les déteste? Les merdes. Putain, ils sont insupportables avec leur snipe. Hein. Pas trop mal contre eux. Putain, mais calmez-vous enfin, ils sont fous. Putain, celle-là, je l'ai pas volée, hein. Calmer toi. Putain, cinglé lui.
J'ai réussi à passer, c'est un miracle. Hein. Beaucoup de balles, mais ça va le faire. Hein. Oups. Ah. Bon. Ça, c'était la surprise, quoi. Surprise, motherfucker. Oh putain. Il n'y a pas des snipes dans le coin, là? Si. On va essayer de liquider un peu les copains parce que... Ils sont lourdos, mais ils sont un peu relous. Hein. Mais vous arrêtez de jeter des trucs, vous, là? Et on dit que moi, j'ai la grosse tête? Oh là là, oh là là. Le Needler, des fois, c'est pas trop mal. Comme c'est que ça marche pas si bien contre eux, quoi. Et ta gueule, toi. Et gueule. C'est pas toi qui décide. Des balles quelque part, là. Non, y'a que ça. Super. Alors. Ok. Oh là là, oh là là. Reviens là. Ok. Putain, il m'envoie pas les mêmes à chaque fois, hein. Non, 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 putain, mais je me fais avoir comme une merde. D'où il y a un pompe là? Ok. Oh, putain. Au secours quoi. Juste au secours en fait. Ah non mais au secours quoi. Putain mais je suis pas du tout à l'abri là. Ils sont hargneux, hein. Ils sont hargneux, hein. C'est bon. Ça, ils s'y attendaient pas, je pense. Hein. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Calme-toi, enfin! Incroyable, ça. Non, 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 au secours, au secours. Ils vont me faire des tirs croisés, ces raclures là. Ça se la porte ou pas?
J'ai même pas en vrai. Ils sont insupportables. Ok. Pas grave, je fais le tour, hein. Je vais les pranker, je vais les turbo pranker, je vais faire des allers-retours. Vraie technique de connard, quoi. Il est où l'autre? Mais je l'ai pas défoncé, je me disais. C'est relou, hein, c'est relou. Vous êtes prêts? Ça va être un délire. Putain, ils viennent pas, quoi. Lourd. Lourd, léger, professionnel. On dirait le roi Enoch. Bon, visiblement, faut que je les bourre, hein, parce que... pas d'autre moyen de les faire tomber que de leur mettre... je sais pas combien de tonnes de plasma dans le fion, donc là on va bourrer, hein. Non mais c'est une blague, ils sont invincibles ou comment ça se passe? Ça pour ça. Faut que je trouve une arme un peu plus décente contre eux parce que c'est chiant là. On s'emmerde là. C'est pas qu'on s'emmerde mais on s'emmerde. Bon, ça c'est au quetier. Ah dingue mais au quetier. Bon déjà il y a des grenades, ça c'est bien. Ça va m'aider un peu, mais encore. Pas certain. Tout à l'heure j'avais réussi à en doser un au snipe, mais je pense que j'avais du bol et que j'avais tiré sur les parties oranges là qui sont pas protégées. Franchement je crois pas que ça puisse vraiment se reproduire. Ok. Il doit être là. Repartir en arrière. Ah merde, attendez, je crois que je suis reparti en arrière. Ouais, j'ai dû repartir en arrière. Ah. Non, pourtant si. Ah si, je suis reparti en arrière. Ok. J'ai eu peur. Vous me prenez pas. Je me suis mis dans un plan cul là. Ok. Oui. Oh là là. Invisible, ouais. Vu. J'ai vu les prankers. Et reviens là, mon pote, reviens là. Mais eux aussi, ils peuvent être invisibles? Ah super! Y'a de l'ambiance dans ces boîtes jaunes! C'est quoi ce bruit là? Tiens, reviens! Putain, la mort nulle quoi! Ça je veux bien par contre. Ouais, ça c'est bien ça.
Ok, c'est pas mal. Ah, très bien. Ouh. Et là, on va arriver à la pire section du level, hein, évidemment. La fin. Quand il va falloir se taper tous les sbires et le boss. Désolé, je suis là depuis tout à l'heure. Mais je parle pas beaucoup, mais t'inquiète, et que là, y a pas de problème. Je n'ai rien contre les lurkers, vous le savez. C'est déjà très gentil à toi de rester et de faire une vue. Moi, je prends tout. Grande Bonté a répondu à regret. C'est un message hautement crypté provenant du prophète... On dit chiffré, crypté, ça veut rien dire. Écoutez ça. Votre hâte a mis en péril la réalisation de l'Alliance et de notre grand projet. C'est grâce à Pitié et ses sages conseils, si je ne vous adresse pas publiquement, mon plus profond mépris, vérité, pitié, regret... Pas très sympa, hein. Hiérarque. En tuant regret, on secourait un peu la tête des Covenants, mais il semblerait que cela rende service à vérité. Ok. PF. Tu as accompagné mes pattes, tu accompagnes mon goûter, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau un monde qui mange en jouant. C'est beau un monde de live. Ah non. Il est mort comme une merde, hein. C'est assez hallucinant. Faut que je parle trop parce que ça va m'arriver aussi. Ta gueule en fait. Ah mais au secours, j'en peux plus de putain. Pardon. Je m'énerve pas, je reste froid. T'es pas obligé de tirer, hein, c'est bon, je suis mort. Hein. Calme-toi un peu, redescends. Ah les prankers. Oh mais les prankers. Je rentre dans ma cahute, hein. Vient de me mettre. Ok, non mais j'ai compris que vous étiez pas là pour déconner, hein. Mais j'ai pas besoin d'avancer autant pour les triggers, en fait, hein. En fait, c'est comme les gens sur Twitter, il suffit d'ouvrir Twitter et tu les énerves. Faut peut-être se calmer, je sais pas, non. Ah, j'ai très peur de ce clip. Là. Ils sont beaucoup trop là, avec des needlers en plus. Pas du tout pénible comme truc. Il est encore vivant lui. Ok, toi ta gueule. Vous deux aussi là-bas par la même occasion. J'ai un michmichou le needler. Non, faut pas. Tu ne regrettes pas. Ce que tu fais en live, tu ne devrais pas regretter en post-vidéo. Ah, mais je ne regrette pas. Tout va bien. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Ta gueule. Ta gueule. Ah, l'ami. Faut se calmer, putain. Mais voilà, mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. Putain. Ah mais il y en a deux là. Un au needler, un au pistolet plasma. Super. Je veux que ça s'arrête. Je vais les exciter un peu avec une greu. Qu'est-ce qu'il branle? Il était en train de faire l'amour à la pierre, j'ai pas compris. C'est l'amour à la pierre. Ah, cha-cha-cha. Deux, hein. Il y en a encore un de... L'insecte là. Je fais une erreur en sortant, hein, mais je vais le faire. C'est pour le lore. C'est important. Oh, les bâtards. Beaucoup trop. Too much. Too much raclure. Ok, ça c'est réglé ça. Putain, au secours quoi. Toute la funky family qui m'attend au même endroit. J'adore. Dernier vol, chef. Je suis presque à sec. C'était pas déjà le dernier? Nous avons sécurisé le premier groupe de tours. Je vais m'y poser. Okay. Appelez quand vous êtes prêts à évacuer.
Je vais trop maintenant, j'ai mal. Il l'a pris en pleine gueule, lui, on est d'accord. Alors ça, je prends, évidemment. Et ça, je vais prendre. Au secours. Voilà, je vais prendre ça. Ah bah, salut mon pote. Quoi qu'un petit peu pont. Quoi qu'un petit pompe. Ce serait du plaisir aussi. Hein. On le dit jamais assez, mais. On le dit pas assez souvent, mais un petit peu pont là. Attendez. C'est où? Où qu'il faut que j'aille. Hein. Oh là là, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Passe par là, ok. Bah, c'était super utile, les gars. Faut limiter vos interventions sinon. Eh mais arrêtez! Putain là. La gueule en fait, juste à oh, oh les. Ok. Y'en avait pas un là? Non, c'est bon. Oh là là, oh là. Oh l'embrouille. Et bah voilà, super. Ah non, c'est bon. C'est petit suicidé cet abruti. Oh lui, il a bouffé la chevrotine. Hein. La mange l'auto. Ok. Non, pas... Ah putain, mais j'ai 20 balles, mais c'est n'importe quoi. Mais tu dis t'enfiles 8 et c'est leur journée de générosité. Ah bah c'est plutôt cool ça. Ah, ils ont été sympas, il a réussi à envoyer des... Oula, j'ai failli faire une connerie, ok. Après, j'ai l'impression qu'il a un peu envoyé de la merde quand même. Ça c'était une connerie magistrale ça, ce que je viens de faire. Ne le faites pas à la maison. Hein. C'est réalisé par des professionnels ici, vous le savez. C'est bien, viens là, toi. Attendez, j'ai quoi là-dedans? Ah, j'ai un sniper rifle, c'est bien. Ah, j'ai une mitraillette, un pétoir tout pourri. Fusil d'assaut. Et le divin lance-roquette. T'es d'accord. Bon, bah, go pour le boss, hein. Comment ça va, vous deux? Un Famaz, exactement. On approche du grand temple. Bien reçu. Je suis tout près de la bibliothèque. La bibliothèque. On essaie de la contourner. Avec des carottes d'arbres. J'essaie de trigger un truc à Adaliante. Hein. J'ai que ça. Moi je veux bien rester calme mais... Présentement c'est pas le meilleur moment quoi. Ok, très bien. Pouette 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 pouette. Putain mais je n'avais que ça. Non mais tu es obligé de me pousser là comme un malpropre. J'avoue, j'entends quelqu'un d'autre utiliser mes trips. Oh, c'était bien de la merde, ça. Hein. Ça, c'était mieux déjà. Ok. Allez, dégage. La bibliothèque. Il y en a encore là-dedans? Mais non. On voit déjà les sbirros là-bas. Pas encore, mais soon TM. Hein. Bon, je fais ça, puis après j'arrête. Hein. Faut que j'aille faire des courses encore. Au secours, comme on dit dans le bouchonnois. Putain, mais c'est la folie des bots là. Hein. Allez, je vais refaire un tour parce que. Pour trop de monde dans ce chat, y a un problème. Ça là. Ça, mais évidemment que ça dégage ça. Salut mon pote. Ils ont tous les mêmes blases en plus. Au bout d'un moment, c'est grillé quoi. Ça, c'est ok ça. Un Twitch Turbo, c'est ok ça. Ça, c'est pas clair. Ça non plus. 23 avril 2021. Ouais, mais ça fait. Ça peut m'énerver. Hein. Putain. C'est lourd parce que j'arrive plus trop à les distinguer, alors du coup... Bon, lui, je sais que c'est un bot. Lui, je sais très bien que c'est un putain de bot de ses morts.
Lui, je sais pas. Pas sûr. Allez, hop. Putain, ça dégage. Pire, si vous êtes pas des bots, vous me ferez une demande de déban. Ok, sympa. Oula. Oh non. Non, non. Oui. Trop loin. Trop loin, mais on y était presque. Allez, le boss. Le boss de ces muertos. Pouette. C'est la plus grande flotte Covenant que je n'ai jamais vue. Personne n'en a jamais vu de plus grande. Allez dans le temple et tuez le prophète du regret avant qu'il ne nous arrête. Oula. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Personne n'en avait jamais vu de plus grande. Ne jamais sortir d'aucun contexte, c'est clair. C'est que ça là. Qu'est-ce que cette arme là? Putain, mais les raclures, ils sont forts hein. J'ai quoi en deuxième arme? Ah, j'ai un snipe, ouais. Je pense que je peux peut-être. Pas sûr qu'il me sera si utile que ça. Voilà, on va faire un mix un petit peu plus. Ah non, mais c'est une arme à barreau de combustible ça! Very well! Ah non, je sais pas ce que c'est. Pas utilisable en fait. Et alors là, ce moment là. T'as lancé plusieurs vagues de fantômes. Au secours quoi. Un sacré nombre. Pas le temps de tous les repérer. Non, il a pris la grenade, cet abruti, je le déteste. Bouffe ta chevrotine toi. Mange mon laser, mange-le mon pote. Bon là, ça va être un drame. Regourgandin, refox, comment ça va? Ah, attendez, ça m'intéresse. En réalité, ça m'intéresse pas mal, même. La carblouche, là. Ah, oh, mais j'ai buté mon pote, mais je voulais pas. Au secours, oh, cet endroit. Ah, bon, toi, déjà, ta gueule. Hein. Comme on dit dans le bouchonnois. J'ai bataillé avec un DD récalcitrant. Ah, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a? Il est effacé sur le disque dur? Arrête! Ok. J'ai mis une pêche. Attention, faut pas casser les disques, hein. C'est du verre. Même si c'est imbibé de céramique, ça reste du verre, hein, souvent. Fragile les disques durs. Hein. Très grande période de conservation dans le temps, mais. Mais pas résistant au choc mécanique. Non, ce con de Windows ne voulait pas le reconnaître. Ah, le con! Et alors, du coup, t'as trouvé d'où ça venait? Arrête, calme-toi, je n'ai pas de kétamine sur moi! Enfin, vous ne me laissez pas parler! On se croirait chez les bolcheviques ici! Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Ils auraient revu la difficulté de cette salle? Pourquoi ça me paraît hautement improbable? J'ai l'impression que c'est plus simple de les défoncer là. Je suis obligé de reprendre ça parce que j'ai plus de mun, terrible. Après l'avoir cassé dans le PC de vente, j'ai dû faire de la place pour voir sur mon PC. Et là, ce compte Windows l'a pas reconnu, terrible. Quelle indignité, j'ai envie de dire. Deuxième pêche. Putain, bah toi, t'aurais mieux fait de pas venir, mon pote. Hein. Je vais les assaisonner un peu, les gamins. Ok.
Ça dégage, je veux plus en entendre parler. Je roller, puis coup de téléphone. Ça marche avec là. Des bisous, bon coup de tel. Voici la cible, descendez-le. Ah oui, mais alors lui, il a des turbo laser, non? Je l'ai formaté, voilà ce compte Windows. Client l'a reconnu, troisième pêche, terrible. Votre existence même est une insulte. Comment ça, le quatrième bouton? Ah oui, d'accord. Faut que je mette des patates de forain, alors je vais mettre des patates de forain. Il est mort? Pas encore. Non! Putain. J'ai eu chaud. Fais gaffe parce qu'il était là, ce con, hein. Le démon doit mourir! C'est super con ce que je fais! Merveilleux pugilat. Mauvaise nouvelle. Les fantômes nous tournent autour. La flotte s'approche. Je me fais chier pour 250 E en liquide, on va pas cracher dans la soupe pour une heure de taf. Non, c'est sûr. C'est certain. C'est sûr que vu comme ça. C'est Fabien. Il est Fabien. Corentin, si ça vient, nous sommes d'accord que tu es en stage. Travailler que 7 heures sur les 6 derniers, moi évidemment. À 4 heures de live, on finit la mission, c'est bien, ça me paraît bien. Ah, surtout qu'en plus, la prochaine mission, c'est la librairie avec l'arbiteur, j'ai envie de mourir. Ce n'est pas ta tour. Ça paraît honnête, complètement. Mais tu y es bien. Et regoût de vie. J'avais déjà dit tout à l'heure, ou je sais plus si revenir, non. Bon, je vais m'arrêter là parce que. Ah putain, ce niveau il est infernal! On va regarder la cutscene et puis après, c'est bon quoi. Attention. C'est moche, hein. C'est quand même spécialement moche, hein. Ils sont vraiment cons, hein. Il y en a assez pour tout le monde, hein, les gars. Calmez-vous. J'ai toujours été là depuis les 3 minutes. Je crois pas. Un hiérarque mort, commandant. Nous tenions son meurtrier. Si vous n'aviez pas rappelé les fantômes. Remettez-vous en cause ma décision. Non, très simple. Je tiens seulement à exprimer mon inquiétude. J'admets que cette décision était brutale. Mais les derniers événements ont démontré que les élites ne pouvaient plus garantir notre sécurité. Je ferai connaître votre décision au Conseil. Terrible. La politique, quelle plaie. Arbiteur. Sais-tu que les élites ont menacé de partir? De quitter le Grand Conseil à cause de ce petit changement de fonction? Nous vous avons toujours protégé. Ce sont des moments difficiles pour nous tous. L'élimination des humains était certes satisfaisante. Mets-lui une tarte, tout doux, Franck. Mais la perte de l'un des anneaux sacrés nous a déchiré le cœur. Passant outre notre douleur... C'est vraiment dégueu. Continuez à croire que nous trouverions les autres anneaux. Et voici comment notre foi est récompensée. Allô? Son vent divin balayera les étoiles et guidera tous les vrais fidèles sur la voie du salut. Allons bien. Comment déclencher ce processus? Longtemps nous avons cherché celui qui pourrait nous révéler le secret des anneaux. L'oracle. Alors, oracle. Avec notre aide, nous l'avons trouvé. Avec toute l'humilité qu'on lui doit, nous avons posé à l'oracle des questions, et celui-ci nous a montré la clé. Vous vous rendrez sur l'anneau pour y récupérer l'icône sacrée. Avec, nous accomplirons notre destin. Terrible. Le salut de tous. Et le début du grand voyage.
En gros, si j'ai bien compris l'histoire, tu combats une secte de limaces qui vénère un gros radiateur. J'ai vu Pierre Sénard. Oui, c'est ça. Je ne veux pas faire attendre les hiérarques. Sommairement, c'est ça. Qui a tué le prophète du regret? Qui est-il? À votre avis, le démon est ici? Pourquoi? On veut peut-être se venger. Je n'ai qu'un objectif, récupérer l'icône. Bien sûr. Restauration et activité du pont non comprise dans le forfait du grand voyage, exactement. Oh, ringuette. Putain, je me fais vieux, 4 heures de live. C'est dur, hein. Pas évident, hein. Alors, ces merdes, là. Non, non, mais c'est... Tu vas pas en faire grand-chose, hein. De bénévolat, c'est pas MEDEF. Non, c'est pas très MEDEF. Enfin, j'ai été un peu payé parce que j'ai eu des subs. Donc ça va. Dans le prochain live, yo les biages, c'est Billy. Billy le Master Pranker. Exactement. Ok. Très bien. Bon, il faisait jour dans la cutscene et maintenant il fait nuit. C'est pas clair.